Bonjour. Pas besoin d'être un grand linguiste pour être en mesure de se rendre compte de l'importance des noms. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, souvent on va se présenter, on va échanger nos noms. Je suis sûr qu'il y a des milliers de mères qui peuvent témoigner que le premier mot qui a été dit par leur enfant, le premier mama, c'était le nom maman. Mais quand on est grand aussi, on se sert des noms. Si on apprend une langue étrangère, on aura souvent le souci rapidement d'être capable de nommer les choses, hein. Ça, comment t'appelles ça? Ça, comment tu dis ça? C'est sûr, il faut pouvoir nommer les choses si on veut en parler. Donc le nom, c'est pas mal important. On aura, nous, trois capsules qui vont traiter du nom et puis de qu'est-ce qui se passe autour du nom dans la grammaire du français. Dans cette première capsule, on va regarder qu'est-ce qu'un nom, quelles sont ses caractéristiques, puis on va observer aussi son compagnon de toujours, le déterminant. Les noms, c'est les mots qui vont désigner de qui ou de quoi on parle. Ça peut être vivant. Un prof, un crapaud, c'est vivant. Un pommier, c'est vivant. Une japonaise, un amoureux, vous pouvez trouver plein comme ça d'exemples de noms qui désignent un être vivant. Mais ce n'est pas nécessairement des êtres vivants, bien entendu. Tiens, pour s'amuser, un balcon, une symphonie, une ampoule électrique, ici c'est ampoule qui est le nom. Électrique, ben, c'est l'adjectif qui nous parle de l'ampoule. Un billet d'autobus, une colère, etc. Mais vivant ou non, toutes ces choses-là, on peut les nommer, c'est-à-dire identifier de quoi on parle. Donc les mots qui ont servi à les nommer sont des noms. Il y a des grammairiens qui font toutes sortes d'observations sur les noms, qui déterminent toutes sortes de catégories de noms, et ça finit plus. Pour ma part, j'ai quatre observations pour vous. On va observer seulement ce qui aura des conséquences sur les règles de grammaire et sur l'orthographe. Les noms propres et les noms communs, c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde a vu, mais ça vaut la peine de prendre un petit moment pour y jeter un second regard. Hubert Legrand est un mécanicien en qui j'ai confiance. Mécanicien, c'est un nom, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et tous les mécaniciens sur la Terre ont en commun de s'appeler un mécanicien. Donc, mécanicien est un nom qui est commun à tous. Hubert Legrand, lui, ça c'est son nom, mais il n'y a qu'un seul mécanicien qui s'appelle comme ça, c'est propre à lui. Donc, c'est son nom propre. On a ici un troisième nom, confiance, ben c'est un nom commun, c'est pas le nom qui est propre à quelqu'un. D'autres noms communs, par exemple, un pays, tous les pays ont en commun de s'appeler un pays. Mais l'Irak, lui, c'est un nom qui est propre à lui, il n'y a que ce pays-là qui s'appelle l'Irak, nom propre. Vous avez sans doute remarqué que les noms propres, ben, hein, ils ont la majuscule. Le nom qui est commun à n'importe quel habitant d'une ville, d'une cité, on parle à ce moment-là d'un citadin, mais seuls les citadins qui habitent Montréal s'appellent Montréalais. Donc c'est un nom qui est propre à eux. Un nom commun moto, c'est commun à toutes les motos de s'appeler moto. Mais seules celles d'un seul fabricant vont s'appeler les Suzuki. C'est un nom qui est propre à elles. Restaurant, un nom tout à fait commun. Chez Roberto, c'est un nom qui est propre à un seul restaurant. C'est pour ça que chez prend la majuscule. Et Roberto, lui, c'était déjà le nom propre d'une personne, donc c'est certain qu'il avait sa majuscule. Le nom fleur, toutes les fleurs s'appellent fleur, donc c'est un nom qui est commun.
Toutes les tulipes s'appellent tulipes, donc tulipe est un nom commun. Mais si un fleuriste s'ouvre un commerce et puis décide d'appeler ça fleur de Montréal, évidemment Montréal est un nom propre, c'est le nom de la ville, et puis, mais même l'ancien nom commun fleur devient propre ici parce que c'est le nom propre à un seul commerce qui s'appellerait fleur de Montréal. C'est la même chose, par exemple, souvent des noms ordinaires ou même des adjectifs, des verbes, des mots ordinaires vont finir par prendre la majuscule parce qu'ils deviennent le nom propre d'un organisme ou d'un groupe ou d'un commerce. Par exemple, respectable aussi, qui serait un mot ordinaire, ici va prendre la majuscule parce que c'est le nom qui est propre maintenant à un groupe. Certains noms vont représenter des choses qui peuvent être comptées, qu'on dit dénombrables. On reconnaît là-dedans là, qu'il y a un nombre. Par exemple, des profs, on peut compter 3, 4 profs, donc des profs, c'est dénombrable. On peut trouver un nombre, 4 ici. Des ampoules électriques, je pourrais très bien avoir 268 ampoules électriques. Donc, ampoule électrique, c'est dénombrable. Là-dedans, évidemment, le nom, c'est ampoule. Électrique, lui, c'est un adjectif. D'autres noms, eux, sont pas vraiment dénombrables. Sable, j'ai transporté 8 sables. Non, ça marcherait pas tellement. Mais je pourrais avoir transporté 8 sacs de sable. Ah, peut-être. À ce moment-là, sac, lui, c'est un nom qui est dénombrable et qui va donc pouvoir prendre le pluriel. On peut en compter 8. Eau, c'est la même chose. L'eau, ça nous coule entre les doigts. C'est assez difficile d'en compter un certain nombre. J'ai bu 4 eaux. C'est pas fort. Mais peut-être j'ai bu 4 verres. Ah, ça se peut, par exemple. 4 verres d'eau. Donc, verre, lui, c'est un nom qui est dénombrable. Mais 4 O, non, ça ne marche pas. Confiance, c'est la même chose. J'ai eu 5 confiances, ça ne marche pas. Les noms qui sont dénombrables, c'est pas nécessairement toujours quelque chose de physique, comme des profs, des ampoules électriques, des sacs, des verres. Par exemple, le nom habitude, peut-être que moi j'ai deux habitudes dont je veux me défaire. L'habitude de fumer, et puis l'habitude de boire beaucoup de café. Donc à ce moment-là, oui, on peut dénombrer des habitudes. Donc c'est pas toujours des noms concrets là, qui sont dénombrables. Il suffit qu'on puisse être capable d'assigner un nombre. Certains noms, même au singulier, représentent plusieurs individus. C'est ce qu'on appelle des noms collectifs. Une équipe, une foule, il y a plusieurs individus, une armée, une collection, etc. Les noms collectifs représentent des ensembles. Comme en mathématiques, finalement. On aurait donc une collection de timbres, une seule collection, singulier, mais plusieurs timbres. Les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant sont des noms communs, mais ce raisonnement-là peut très bien s'appliquer aussi à des noms propres. C'est souvent le cas quand il s'agit de clubs sportifs, le Canadien de Montréal, le Real Madrid, l'Olympique de Marseille. On dirait par exemple, le Real Madrid a gagné. Si je vous parle d'un sous-sol, il y a un endroit qui vous vient à l'esprit. C'est pas deux mots, hein. C'est clairement un mot, mais il a été composé de sous, de sol, associés ensemble avec un trait d'union. Et puis ça a fabriqué un mot composé.
En français, on en a plein des mots composés. Un ouvre-boîte, un coffre-fort, une belle sœur, un petit déjeuner, le petit-déj, une mezzo-soprano, une pomme de terre. La plupart de ces mots composés-là, ben, les éléments qu'ils composent sont liés grâce à un trait d'union, hein. Mais pas tous. On a vu ici comme dans pomme de terre, hein, lui, il n'y en avait pas. Parfois, la présence du trait d'union a une grande importance dans le nom composé. Ici, une petite fille, c'est la fille de ma fille ou la fille de mon fils. Okay? C'est une petite fille. C'est un peu de la même catégorie qu'une belle-sœur, un grand-père, un grand-oncle. Tandis que si je ne mets pas de trait d'union, comme là, c'est simplement une fille qui est toute petite. Bref, ça arrive qu'on ait utilisé plusieurs mots pour composer un nom composé. Quand on choisit un nom, pour faire une image, disons qu'on ouvre le dictionnaire et qu'on va y piger un nom pour s'en servir dans une phrase. Mais le nom, il a déjà son genre, lui. Il est déjà masculin ou féminin. Pour les humains et les animaux, c'est assez simple. On pense au sexe. Au masculin, un fermier va correspondre le féminin, une fermière. Un Québécois au masculin va donner une Québécoise au féminin. Un lion, une lionne, en fait, ça tient pas mal dans le fait qu'on s'assure qu'il y a un E à la fin pour faire le féminin. Parfois, il y a des petits trucs comme ici, là, où il faut doubler le N, mais on n'en fera pas une histoire pour l'instant. Mais parfois, il suffit pas d'ajouter un E. Par exemple, un frère, une sœur, les mots sont complètement différents. Ou de façon plus générale, un homme, une femme. Donc, on ne peut pas toujours se fier au truc du E à la fin, bien entendu. Inversement, certains noms sont identiques au masculin ou au féminin. Un dentiste, une dentiste, c'est pareil. Un ou une bibliothécaire, un ou une ministre, ils sont identiques, mais il faut remarquer que tous ceux-là, ils ont déjà un E, hein? C'est sûr qu'on n'est pas pour ajouter un deuxième E à la fin. Comme ils l'ont déjà, ben, ça change pas. Si vous voulez avoir l'air savant, là, ces mots-là qui sont identiques dans les deux genres, je vous dis ça simplement pour rigoler, vous impressionnerez le monde au party de Noël. Ce sont des mots qu'on dit épicènes. Maintenant, à part les humains et les animaux, pour déterminer le genre des noms, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si le français, c'est votre langue maternelle, la plupart du temps, vous n'aurez probablement pas besoin d'un dictionnaire parce que j'imagine que vous connaissez le genre de la plupart des noms là, intuitivement, juste à force de les avoir vus, les avoir entendus des centaines, des milliers de fois. Quoi qu'il n'y ait pas de garantie, mais c'est une assez bonne façon de faire. Sinon, ben, il y a des noms pour lesquels il faudra consulter puis mémoriser le genre. Encore que la façon dont les noms sont fabriqués, ça nous donne souvent des indications sur le genre du nom. Pour faire ça, le genre, souvent, on va le voir grâce à la finale du mot, ce qu'on appelle le suffixe. Par exemple, il y a un suffixe, T-I-O-N, sion, qui nous permet de fabriquer un paquet de noms féminins. Une action, une génération, une intervention, une pétition, une fraction pour nos amis mathématiciens, ah ben une portion aussi. Il y en a des tonnes. Je vous suggère de mettre ça sur pause puis de prendre 2 minutes pour essayer simplement comme ça là, spontanément d'en trouver. Vous allez voir les noms que vous allez trouver. En T-I-O-N, ils vont être féminins. Essayez-le. Maintenant, on peut le faire aussi au masculin.
Je sais qu'il y a un bon paquet de noms masculins qui se terminent en isme. Le capitalisme. Le banditisme. Le christianisme. Un mécanisme. Allez-y, si vous pouvez en trouver d'autres, bravo. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres noms masculins qui se terminent en isme. C'est sûr que vous ne pourrez pas résoudre toutes les questions de genre, tu sais, pour déterminer le masculin ou le féminin, seulement à l'aide des suffixes, mais ça va vous aider souvent. Maintenant, le nombre des noms. Il y a beaucoup d'erreurs. Quand on corrige les copies, il y a plein d'erreurs qui sont liées au nombre. Donc, on va en parler tout de suite. Vous vous souvenez, au début, on parlait des noms qui représentent des choses qui sont dénombrables. Si ce n'est pas clair pour vous, le retournez voir parce qu'on se base là-dessus. Voici la formule. Si le nombre est plus grand ou égal à 2, donc à partir de 2, c'est le pluriel. Tous les autres noms restent au singulier. La seule question que vous avez à vous poser quand vous voulez décider du nombre d'un nom, c'est « Est-ce que je peux en dénombrer 2 ou plus? » C'est tout. Maintenant, on va faire quelques exemples pour être certain que tout est bien clair. Voilà, prenez un petit moment pour regarder ces cas-là, mettez ça sur pause, puis on se revoit dans quelques secondes pour les réponses. On regarde ça, une tarte. Tarte est un nom, raisin est un nom. Je n'ai qu'une tarte, donc je n'ai pas à me casser la tête avec la finale de tarte. Raisin, d'après vous, est-ce qu'il y a au moins deux raisins? Sûrement dans une tarte. Donc, ça me fait deux raisins. Maintenant, pour être logique avec ça, bien évidemment, je dois m'ajuster et puis mettre le O pluriel lui aussi. Ça va avec raisin. 5 verres de lait. Verre est un nom. Lait, c'est un nom. Il y a 5 verres. C'est assez clair que j'en ai plus que deux. On peut les compter. J'en ai 5. Puis, lait, c'est du lait. Hein? Ça me coule entre les doigts. C'est assez difficile de calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6 laits. C'est du liquide qui est non dénombrable. Un collier, c'est un nom. De perles, c'est un nom. Je n'ai qu'un seul collier, donc je n'ai pas à mettre ça au pluriel. Perle est un nom. Sûrement que j'ai au moins deux perles. Je peux les compter, là. Donc, perle va être pluriel. Du café sans sucre. Café, j'ai déjà ici le du qui me dit que c'est pas dénombrable, que c'est rien qu'une substance. Je n'ai même pas à chercher à compter. Et puis, sans sucre, il n'y en a pas de sucre. Donc là, je serais un peu fou de mettre un S là, il n'y en a pas du tout. Des boules, j'avais quand même le deux noms là. Des boules de billard, ça aussi c'était des noms. J'ai des boules, c'est assez clair que j'en ai plus que deux. Maintenant, billard, est-ce que j'ai des billards? 2, 3, 4, 5 billards? Non, non, non. On joue au billard, on n'est pas en train de compter des billards.